Est-ce qu'il y a le labyrinthe? Ah, j'adore ce jeu. Ah oh, oui, c'est trop bien le labyrinthe. Attends. Je rêve Attends. d'y jouer. Labyrinthe. Le labyrinthe. Ah mais non, attends, il est en train de... Attends. Je vais revenir sur le workshop, ça bug. Feuilleté. Voilà, là c'est mieux. Le Y, c'est sur lequel déjà? Ouais, là. Je sais plus. Le labyrinthe. Eh non. Il y a pas? Non. Ah, c'est fort dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Regarde un peu ce qu'il... Le docteur Maboule. Ce serait fun. Peut-être un Pictionary? Mais en fait, c'est... Pictionary, c'est juste... Comment ça s'appelle? Gartic... Non, si, Gartic-Phone, c'est un peu un Pictionary, en fait. Attends. Mais coupez le son YouTube. Mot malin est un jeu de Grégory Grard illustré par Simon Douchy. Il se joue de 2 à 6 personnes. Ok, bon bah j'ai une vidéo qui s'est lancée. Il y a le labyrinthe? Ah ok, je sais pourquoi j'ai pas trouvé le labyrinthe. J'en étais sûr. Il y est? Ouais, mais c'est ça mal écrit. On voit qu'il l'a écrit dans le chat. Labyrinthe Y. Je t'ai demandé le Y c'est quand, mais on m'a pas répondu. Ah pardon. J'ai pas tilté. Ah voilà. Je sais pas lequel faut prendre par contre. Ah celui qui a des étoiles, ah non, j'imagine. On va jouer au labyrinthe là. Oh là là. Oh. S'abonner. Merci Araki. Ah oui. Merci. Il s'y connaît sur tous les jeux. Ok, chargé. Oh. Tu le vois? Je vois le plateau. Par contre, il n'y a aucune carte. Ah, player, attends. On est deux. Deux. Automatique, logo de standard. Oui, oui, on va jouer en normal. Oh là là, le labyrinthe. Ah, c'est le même. C'est le même que l'époque. Oui, alors, comment on y joue un peu déjà? Quand est-ce qu'on peut déplacer les pièces? Quand on en a? Alors, normalement, on doit nous donner des pièces, je crois. Ou bien on les pioche. Ah oui. Attends, je vais mettre... Il joue ton prénom, toi. Ah, il n'y a pas ton prénom. Ah oh, ouais. J'ai ma main. C'est une? C'est plus... Attends, on regarde les règles sur Google? Ouais, attends. Ah, mais c'est en anglais. Sur le jeu. Je sais plus combien, je crois qu'on a plusieurs objets à trouver. Oui. Normalement, faut en trouver. Si tu peux chercher, vite fait. Je pioche des cartes? Attends, je vais mettre la... Merde. C'est ça que je veux. Pas ça non plus. Bah, quand je les flippe, il se passe rien. Oh pardon. Ok. Hop, alors, Google. Non merci. Labyrinthe. Merde, j'écris pas. Remets l'écran normal. Tu changes de couleur pour avoir ton nom. Ah mais tu l'as ah ça. Ouais. Ah mais si tu l'as non. Bah j'ai pas mon nom mais j'ai une main quand même. Ah oui pour que ça soit ailleurs. Oui j'ai vu que les couleurs ça donnait la place d'assises. Bon après là on voit pas les cartes des autres. Si. Ah c'est bon je me suis mis en vert. C'est bon c'est bon j'ai réussi à mettre mon prénom. Il est bien ce site. Moi je veux savoir quand est-ce qu'on commence. Un cash world, plateau de jeu, nanana. Je vais me mettre en face de toi, tiens. Oui, ok, ça c'est déjà fait. Là je vois les cartes que j'ai piochées. Ils doivent se distribuer toutes les cartes trésors face cachée. Toutes les cartes trésors. Donc il y en a. Ah merde, on doit pas les regarder.
Ah, on doit pas y arriver. Ok, attends, on peut pas reset le jeu? Ouais, on va reset. Ok. Restart. Ok. En gros, on doit. Bah, on a deux paquets, c'est très bien. C'est nos paquets chacun en fait. Ça, c'est à toi. Ouais. Non, je te les. Ah merde, je peux pas te les donner. Je voulais donner le paquet. Je vais le faire, Ok. t'inquiète, merci. En gros, on les garde et à chaque fois, on doit piocher une pour trouver son trésor. On Par en contre. pioche une. Bah, ça, tu prends toutes tes cartes pour toi. Ouais. Et après, je crois que tu dois juste trouver un trésor, puis un, puis un, puis un. Bah, les trésors qui sont proposés. Ça fait beaucoup de cartes à deux quand même. Ouais. Ah merde, j'ai plus les règles sous les yeux. Et après, il faut prendre le pion de sa couleur. Là, t'es là. Bleu. Ah, ils disent, t'as que le vert de dispo. Non mais j'ai mis mon prénom en bleu. Donc je le mets avec là où je suis, là-bas. Oh! Merde. À quoi tu Zut! touches? Je regardais quand ça fonctionnait. Et alors ça va, c'est compréhensible. Ouais, mais je me souviens plus des règles en fait. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, c'est juste des touches, c'est marrant, non? Comment? Non, je regardais juste. Après, Rakiri dit qu'il peut nous proposer un jeu. Alors quel est-il? Parce que là, on a quand même le labyrinthe, quoi. Ouais, faut donner du pareil là quand même. Hein. Il faut que ce soit du lourd. Là, je veux dire, il y a la nostalgie qui est rentrée en jeu pour le labyrinthe. Clairement le meilleur jeu de l'étude en primaire. Oh non, on n'est pas perdu, on n'est pas perdu du tout, hein. Quoi? Juste Perdu, que la société, on a un peu oublié, quoi, c'est tout. nous? C'est ça. Oh. Je suis revenue en vert. On n'est pas perdu. On a juste besoin d'un peu de temps et d'une tablette. Voilà, pour se remettre à jour, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah, l'historique ne marche pas, dommage. Mais c'est pas ton PC quand même. Non, c'est je pense. Ah, quand même, on peut espérer. Alors, cache-toi. Alors, c'est le joueur le plus jeune qui commence à jouer la partie, se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Le C'est joueur moi. regarde la carte trésor située en haut de sa pile sans la dévoiler aux autres. Il faut savoir que le tour d'un joueur se déroule toujours de la même manière. Le joueur doit toujours se déplacer une rangée ou une colonne en premier. D'abord on déplace et après on bouge en fait. On déplace les pièces en intrusant la carte labyrinthe supplémentaire. Ensuite, il peut déplacer son pion pour essayer d'atteindre son objectif trésor. Notez qu'un joueur est toujours obligé de modifier le labyrinthe avant de pouvoir déplacer son pion. Et même si son trésor est accessible directement. Imaginons là si j'ai le trésor qui se trouve juste devant moi, je peux pas le choper direct. Je dois d'abord déplacer le. Ouais, c'est ça. Je peux pas faire ça, je dois d'abord déplacer. Ok. D'abord déplacer un truc. Ah ouais, la galère. Love letter pour un peu stratégie. Dungeon Academy pour un coloriage. Pour du coloriage. Y a même du coloriage, c'est marrant. Ah ouais, je t'ai dit, Akiri, je te passerai mon Discord et puis on pourra verra avec toi. Pierre, on note les noms des jeux qu'ils proposent. Ça peut être Ouais. intéressant. Bah après, je les ai sous les yeux. Ouais, tu les as? Ok, bon. Ouais, ce sera pas perdu. On va pas perdu. Repassons à ça. Alors. Donc là, on prend pas toutes les cartes dans nos mains, on Non, prend t'en juste la prends juste première. la première. Je sais pas si je la. Je t'ai vu l'acheter. J'ai pas fait exprès. La Elle vois est si je la où? tourne? Non? Non, je vois pas quand c'est dans ta main. Ah oui, ok. Ok, t'as pris connaissance de ta carte? J'ai connaissance de ma carte.
Fais gaffe à pas pointer ton objet du doigt, hein. Je saurais c'est lequel sinon. Ah ah. T'es la plus jeune donc tu commences. Ok, Allez, on donc il teste faut que un, je... on fait du labyrinthe et après on teste un des jeux proposés. Ouais, carrément. En vrai, est-ce qu'on fait toutes les cartes ou pas? C'est un peu long toutes les cartes quand même. Et du coup, là, j'ai C'est dû la faire pièce comme qui est ça. là? Non, la pièce qui est ici, je crois. Parce que Non? là, c'est la pièce que j'ai sortie. Ah, mais il y avait une pièce qui est restée sur le coin. Ok. Bah. Et on sait Et combien de... après, maintenant il n'y a pas de maximum, c'est tu te déplaces. Ok, bon bah je me déplace jusqu'à là. Et après, si je te sors, je crois que tu retournes à ton point de départ en ce moment. Genre. Moi, tu m'as laissé ça comme case. Et on peut les tourner ou quoi? Je Tu peux tourner pense. là. Tu peux tourner, ouais. Ouais, y a pas de. Oh, on joue au labyrinthe. Ouais. Non, je vais faire le bouton. Non. Good sad. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, non, j'ai trop zoomé. Oh, J'ai... qu'est-ce Oh, que tu fais? merde, pardon. T'inquiète, t'inquiète. Tout va bien se passer. C'est ça que je voulais enlever. Et en fait, c'était mon trésor que t'as enlevé. Ce serait triste quand même. Je rigole, bien sûr. Jusqu'ici. Je me suis fait un beau Intéressant. trajet. Oui, c'est un beau trajet. Pourquoi il y a une croix au milieu là? Je sais pas, peut-être comme j'ai déjà bougé, tu peux pas rebouger. Est-ce que je peux tout pivoter la case où je suis? Quoi? Non, peut-être pas. Non, je pense pas. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je dois remettre elle. Je sais pas laquelle je dois remettre. Bon, on s'en fout, on dit qu'on met celle qu'on a envie, hein. Attention, et j'avance quand même où je veux, quoi. Oui. Ok. Donc on a cette carte-là. Ah, Je me ok, demande c'est oui. quoi ton trésor. Si j'avais pu bouger, si on pouvait bouger avant de bouger la plateforme, j'aurais pu avoir ma carte, mais direct, mais casse un peu la tête. Ah, c'est le monstre devant toi Ah non, c'est bon. Non, même pas. là? En fait, non, c'est plus simple que je pensais. Hop là! Sérieux? Oui, tiens. Ah ouais, bravo. Bah du coup, tu pioches une autre carte. Ouais, on pioche une. On se met un maximum de cartes ou on les fait toutes? Pas Bon, si peut-être pas toutes. toutes les faire, je sais pas. Ouais, non. Je sais pas du tout ce que je fais. Je n'ai aucune idée. Bah du coup, imaginons, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, je pense pas. Qu'est-ce que tu... J'ai le droit de faire ça ou pas? Je bouge les murs avec ma force Non, physique. j'ai pas le droit. Je détruis l'espace-temps. Mais une petite question comme ça. Je pense pas. En vrai, tu peux faire bouger ta plateforme. Non? Genre en poussant vers le bas, peut-être que tu peux te faire bouger et te faire monter. D'un Ouais. étage, si c'est l'étage qui t'intéresse, par exemple. Par exemple. Mais que par exemple. Hein. C'est le fantôme, par exemple, qui t'intéresse. Non, pas du tout. Tu verras. T'as pas joué du coup encore? Si, si, j'ai joué, j'ai joué. Ah, t'as déjà bougé les trucs? Ouais. Ah, j'avais pas vu. Enfin, je crois. En fait. Si, je crois que j'ai bougé. Peut-être qu'on n'a qu'à dire le premier qui arrive à 5 ou 3 cartes. Ouais, 3, ça me paraît bien, non? Ouais. Putain, tu t'avances bien, Ouais, mais j'ai des bons trajets. là. Bah, tu sais quoi, je vais peut-être niquer un de tes trajets.
Non! Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Pour rien en Alors maintenant, plus. il faut que je me déplace. Je vais me déplacer pour être honnête. Pas ton objet? Ici. Je sais pas ce que je fais. Non, toujours pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À toi. Oh, punaise. Voilà, elle est concentrée là. Là, c'est le labyrinthe là. Là, c'est un Ah non, jeu. là... On Ah non, rigole mais pas. là ça m'emmerde. Parce qu'en fait, Ah, j'aurais dû bouger, pourquoi j'ai pas bougé moi? ouais. Je suis bloqué. Merci de m'avoir bloqué. Ouais, mais on peut la positionner comme on veut, celle-là, Oui, après. celle-là, on peut. Ça Allez, n'empêche je que la je fais suis comme entre quatre murs. ça. Ouais, pourquoi pas. Salut! Hop là. Tu peux bouger d'une case. Non, j'ai pas envie. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait n'importe quoi. Je reste là. C'est aimable. C'est vraiment aimable. Ah ouais? Non. Non. Genre, putain, bravo. Excellent. Ah mais non, mais quoi? Mais n'importe quoi! Fait exprès de la retirer du jeu pour la remettre là où je voulais. Ok, c'est à toi ou c'est à moi? C'est à moi. Attends, il faut que je déplace le jeu. Ah, punaise. Ah, il y a des pièges, il y en a qui se ressemblent un peu. Je serais pas intéressée par je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi t'es intéressée. Que faire? Allez, on remet un truc comme ça en jeu. C'est Et jamais. je vais aller là. C'est toujours pas ton truc. Non! Ah, t'as vraiment pas de chance. Non, mais je suis vraiment nulle, je crois, surtout. Mais en plus, je suis Salut. bouche-tout. Quoi, déjà? Ah non. Non, c'est bon, calme-toi, calme-toi. J'ai pas de problème. On n'a pas marre de tout bouger. C'est peut-être un peu le principe du jeu, mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien. On va la mettre dans l'autre sens, tiens. Comme ça, soyons fous. On est fou là. Là, je crois qu'on atteint un niveau de frappe à dinguerie qui est Ah oui, ah oui. plutôt impressionnant. Merde, faut que je mette. Regarde, encore plus fou. Oh, ça a pas la tête. Et si je me sors du jeu? Tu peux? Ça te remet au Ah point de ouais? départ? Ouais, ça te remet au point de départ. Ok, peut-être éviter. Peut-être que j'approche de mon but. Allez, on va faire ça. On va mettre celle-là, tiens. Mais quoi? Non mais putain.
Bravo, trop fort. J'ai peut-être eu de la chance. Ah ouais, t'es placé de manière chiante. Moi j'ai eu de la chance. Vas-y, c'est tout sur des trucs presque bougeables. Du coup, je les ai bougés quoi. Bah ouais. Et Lui, toi, il non? bouge pas. Ouais, la première elle bougeait pas, mais j'ai eu de la chance. Et après, j'ai eu que des trucs qui bougeaient. Triste. Putain, trop fort. Triste, triste. Ah, mais je Bravo. comprends pourquoi t'arrives pas à l'atteindre. Mais non, j'ai galéré, non mais vraiment. J'imaginais pas ça aussi compliqué. En vrai, t'aurais pu essayer de te Je crois que bouger ça... comme ça, non? Mais on peut bouger qu'une seule fois. Ouais, mais au fur et à mesure, t'aurais essayé, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a des fois, tu m'as bloqué, du coup, j'ai rebougé. Ouais. C'est vrai que c'est Bah, plus c'est dur que vrai, je c'est pensais ça. aussi. T'as mis la tablette en l'air. Ah bon, elle est où? Ah oui. Bah, elle a coûté super cher. Je me fais... Oh. Tu vas te faire tuer. Et je veux juste voir c'était quoi mes autres au cas où. Moi j'ai eu de la chance, ils étaient assez proches. Je joue la couronne suivie du rat. Je vais répondre avec la chauve-souris. Ouais, mais la chauve-souris se prend dans la toile. Ok, sauf que les fantômes passent à travers les toiles. D'accord, mais les fées tuent les fantômes. Ok, mais les hiboux mangent les fées. Ah bon? Bah ouais. Enfin, ça me paraissait logique. Mais les hiboux n'aiment pas la lumière. Je pose donc le chandelier. Chandelier, chandelier qui est enfermé dans une pièce. Sais pas pourquoi ça me contraint. Bah, faut que tu puisses arriver dans la pièce, quoi. Comment tu vas faire pour entrer dedans? Pour entrer dedans, je vais soudoyer le garde de la pièce avec un joyau. Sauf que ce sera pas suffisant et il faudra lui donner beaucoup d'argent. Très bien, j'en ai un coffre rempli. Très bien, j'ai une bague en or massif. J'ai une épée ancestrale. Bah avec le fantôme, je passe à travers la porte. Ah, t'as un deuxième fantôme! Oh non, le double fantôme, presque imparable. C'était sans compter le courage de mon chevalier. Chevalier qui se retrouve face à un dragon, comme Au dans les contes de fées. le dragon bleu, dragon blanc aux yeux bleus. C'est ça, c'est ça. Et je te lance un sortilège qui réduit ton dragon en lézard. Malheureusement, les lézards sont les meilleurs amis des gobelins. On s'y attendait pas à ça. Ah bah j'ai ma dernière carte, c'est ça, j'ai perdu. Je vais pas pouvoir jouer ça, c'est un insecte. Un petit papillon. Ah bien joué. Merci, merci. C'est le gobelin qui gagne. La tablette!